Respectives, tu as des choses à dire.
Instruis-nous, Seigneur, afin que nous puissions faire les choses et marcher selon le vouloir de ton cœur. Nous prions, Seigneur, que nos sagesses en nous soient assujetties à la tienne et que notre intelligence en nous, Seigneur, soit dominée par ton intelligence. Afin que nous nous dépouillions de ce que nous croyons être et de ce que nous croyons avoir pour meubler notre intelligence, notre existence de ta sagesse et de ton intelligence. Parce que nous savons que notre sagesse et notre intelligence sont nulles devant toi. Car c'est toi le vrai équipement qu'il nous faut pour nous conduire dans le droit chemin de la sagesse et de ton intelligence. C'est là que je vais demander au Saint-Esprit, celui que j'aime et j'adore, celui que je sais de faire ce travail, car jamais on n'a parlé si ce n'est celui qui est poussé par ton esprit. Laisse que ton esprit fasse entendre nos oreilles les mots, les pensées de ton cœur pour nous, Seigneur. Merci, parce que le peuple entendra la voix d'une personne, mais les mots et les phrases viendront de toi. Je veux, Seigneur, disparaître et que ta gloire apparaisse devant ton peuple. Que je sois juste un canal et que c'est toi qui sois la source de toutes les choses. Que je diminue pour que tu sois élevé et que toute la gloire au final te révèle. Au nom de Jésus, l'Éternel donne la sagesse. L'Éternel donne la sagesse. Et sa bouche sorte la connaissance. Et sa bouche sorte la connaissance. Et l'intelligence. Je veux recevoir. Je veux recevoir. Amen. 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 C'est un bon mot et une joie. Les amis, ce sont des mots pour la mission. On peut partager ce moment. Ce moment avec vous. Ce soir, nous voulons clôturer, atterrir. Par rapport au travail que nous avons commencé. Depuis le jeudi. Amen. Amen. Toi qui es là, je crois que c'est ta soirée de bénédiction. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Si tu es là, c'est que Dieu a prévu quelque chose. C'est qu'il a prévu quelque chose de bien pour toi. Amen. 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 Même si je ne dis pas guérison. Je ne dis pas solution. Ce qui n'a solution si je ne dis pas victoire. Attends, ce qui n'a même si je ne dis pas prospérité. Attends, ce qui n'a l'objet de fou raté. Mais sache. Puisque tu es là. Il y a quelque chose de bien plus. Amen. 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 Nous sommes dans la joie de revoir de toute personne, c'est pour longtemps que je n'ai pas vu. Nazami Souna et Seigneur, pour mon abattu, midi pour mon akara. Amen. Amen. Non seulement par rapport à mon déplacement, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu de faire. Leur présence nous réjouit. Nous voulons saluer la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Tipe, il va s'élever. Saluer mes amis, papa Tipe, moi j'ai la puisque c'est devenu sa maison, on vient de venir s'asseoir devant et l'arrivée. La joie de servir le Seigneur. Nous nous sommes posé la question de savoir depuis le jeudi, y a-t-il encore une joie aujourd'hui, en dépit de tout ce que nous vivons et traversons, d'avoir le zèle et le goût de servir Dieu? Est-ce que
tout ce que nous endurons, les peines, les souffrances, les rejets, les contrevents et consorts, est-ce que ça peut encore nous motiver à servir ce grand roi? Mais au fil de soirée, nous avons compris que servir le Seigneur dans la joie est une obligation. Nous n'avons pas seulement à le servir, faut-il encore le servir dans la joie? Faut-il encore le servir avec joie? Et parce que tout ce qui viendra autour qui serait contraire à la joie ne plairait pas à l'Éternel. Si il nous a recommandé d'être toujours joyeux, c'est que dans tout ce que nous faisons, dont son œuvre, nous devons en avoir la joie. Je dois avoir la joie quand je vais au travail. Je dois avoir la joie quand je suis dans mon business. Je dois avoir la joie quand je fais mes démarches. Je dois avoir la joie quand je me réveille le matin. À midi, le soir, je dois avoir la joie. Je dois avoir la joie par rapport à ma femme, par rapport à mon mari. Je dois avoir la joie par rapport à mes enfants. Peu importe ce qu'ils sont. C'est-à-dire la joie doit être la nature de tout enfant de Dieu. Puisque la joie doit être la nature de l'enfant de Dieu. Et puisque l'enfant de Dieu est serviteur de Dieu, donc la joie doit être la part de tout serviteur de Dieu. Et je vous ai expliqué longuement hier le pourquoi nous devons avoir cette joie. Et au-delà de toutes choses, il faut savoir que l'enfant de Dieu est appelé à produire. Produit dans l'obéissance. Et je dis, je vois mal quelqu'un qui n'obéit pas être dans la joie de ce qu'il fait. On ne peut pas le concevoir. Ne pas aimer ce qu'on fait. En être en porte-à-faux par rapport à ce qu'on fait et en tirer de la joie, c'est impossible. Donc nous avons l'obligation de cultiver cette joie. Et je nous ai dit que cette joie-là n'est pas automatique. Nous devons travailler pour que cette joie du travail de Dieu et habitant, que cette joie-là habite en nous. Aujourd'hui, je veux vous expliquer les bénéfices que nous avons lorsque nous faisons ce travail de Dieu, oui, dans la joie. Pas dans le murmure, pas dans le doute, pas dans le calcul humain de philosophie, comme ce fut le cas avec Aaron et Myriam, mais faire le travail de bon cœur. Volontairement et dans la joie. Amen. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 52, verset 13. Amen. Ésaïe chapitre 52, verset 13. Et nous irons. Tu marques
Dans son chapitre 10, verset 28. Marc, chapitre 10, à partir du 28e verset. Nous lisons ainsi la première lecture. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. Dans Marc, il dit ceci. Pierre s'est mis à lui dire, à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ce frère, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, reçoivent au centuple, présentant dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres. Oui, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. La parole du Seigneur. Amen. Quels sont les bénéfices que nous avons lorsque nous, dans la joie, nous nous mettons à servir Dieu? Il dit dans Esaïe que son serviteur à lui, c'est-à-dire Dieu dit mon serviteur, prospérera. Dieu n'a pas besoin de dire mon serviteur qui me sert fidèlement, qui me sert dans l'obéissance et qui me sert dans la joie. Parce que généralement, quand Dieu dit quelque chose, il n'a pas besoin de décliner. Il sait que nous comprenons ce qu'il dit. Il dit mon serviteur. Sous-entendu, mon serviteur que j'agrée, lui, il prospérera. Non seulement qu'il prospérera, il montera, et après il s'élèvera à une hauteur élevée. Lorsqu'on parle de la prospérité, on suppose une abondance. On suppose une multiplication. On suppose une richesse à un certain nombre. Et c'est cet acquis-là qui est réservé aux serviteurs de Dieu, fidèles, obéissants et joyeux. C'est lui-là qui me sert et dont la façon de me servir me rend joyeux. Servir à moi Dieu, je le rendrai prospère. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que nous voulons tous la prospérité? Même des fois, si nous jouons à la fausse humilité pour ne pas en faire, quand en réalité, tout le monde a donné cette prospérité. Il suffit de remarquer, d'observer les efforts que nous faisons dans la vie. Il suffit de voir l'énergie que nous déployons pour avoir. Que chacun regarde dans ce projet. Nous verrons que chacun de nous a besoin quelque part de prospérer. Si ce n'est pas dans sa santé, c'est dans ses finances. Si ce n'est pas dans ses finances, c'est professionnellement. Si ce n'est pas par rapport à la profession, c'est par rapport
La prospérité sera sur notre parcours. La prospérité dans le domaine où le cœur attend cette prospérité. Pour Ézéchias, c'était la santé. Lorsque Dieu a annoncé que par cette maladie, tu mourras. La Bible nous dit, il s'est mis à prier, Dieu merci d'être tellement pressé à prier que la Bible dit, les prophètes n'étaient même pas encore sortis de la cour royale que Dieu lui a dit de retourner le dit. Chacun de nous a sa définition de la prospérité par rapport à ses besoins. Dans le domaine où tu attends, certainement et forcément, il y aurait une intervention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, du coup, les éléments en profitent pour autre chose. Si nous comprenons qu'il faut les mettre au service de Dieu, beaucoup de choses seraient résolues dans nos vies. Invisible comme invisible. Beaucoup de choses trouveront solution dans nos vies sans que nous ayons fait des efforts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous nous mettrons à les servir selon Dieu. Et non seulement que Dieu rendra ses serviteurs prospères. Dieu dit. C'est-à-dire, il prendra de la hauteur. Il prendra de la noblesse, il prendra de la dignité. Par rapport à ses semblables, il sera comme un consacré, c'est-à-dire un mis à part. Facile à voir parce qu'il est élevé en hauteur. C'est-à-dire qu'il deviendra visible. Que tu le veuilles ou pas. Tu entendras parler de lui. Que tu le veuilles ou pas. Tu diras que son Dieu est vivant. Que tu le veuilles ou pas. On te dira lui. Il est un bien-aimé de Dieu. Il ne fait pas de l'élévation. Tout le monde l'attend. D'une manière ou d'une autre. Chacun attend une élévation quelque part. Je vous ai toujours dit l'élévation, ce n'est pas en rapport à ce que nous voyons. Parce que telle à telle maison, telle à telle voiture, telle à telle chose, l'élévation, ce n'est pas ça. L'élévation, c'est les choses que Dieu dans sa souveraineté réalise dans ta vie et qui te réjouit le cœur. Alléluia. Amen. Si vous allez demander à Anne, Anne te dira pour elle l'élévation c'était sa mère. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Dieu régit son cœur avec un enfant. Chacun de nous a besoin de cette élévation. Mais là, maintenant, le procès de l'élévation est devenu tellement simple. Il suffit de se mettre au service de Dieu. Et faire les choses de Dieu avec joie. Cela suffit à déclencher la clé de l'élévation. Oh, que c'est si facile d'être élevé avec Dieu. Alléluia. Amen. Que c'est si facile de prendre de la hauteur avec notre Dieu. Et Pierre s'est rendu compte. Il se souvenait de sa femme. Il se souvenait de ses enfants. Il se souvenait de toutes les privations et de tous les sacrifices. Et Pierre, comme soudain, il a pensé de poser la question au Seigneur. Mais nous avons tout quitté pour te suivre. Mais nous avons tout quitté pour te
pour moi de recevoir sur terre au centuple et au ciel la vie est perdue. Alléluia. Amen. C'est-à-dire lorsque nous servons Dieu et que nous le servons selon lui, parce qu'il y a une certaine façon de servir qui n'est pas selon Dieu. Elles étaient 10. Mais il n'y avait que 5 qui avaient entendu le son. La foi. Du fiancé. C'est qu'en d'autres termes, on peut faire des choses de Dieu tout en étant en dehors de Dieu. Ce n'est pas cela que nous nous adressons. Aux femmes et aux hommes à qui nous adressons ce soir, pas tout simplement amen, parce qu'il faut dire amen lorsque vous n'êtes pas sûr de la façon dont vous servez le Seigneur. Parce que votre amen ne servira à rien. Amen. Je suis sur toi. Je t'ai dit amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis très sérieux. Ne dites pas seulement amen. Parce qu'il faut dire amen, parce que le pasteur a haussé le ton, parce que le pasteur a dit amen. Si tu sais que ta façon de servir, tu pourras même dire amen, ça va rien changer. Attends qu'on le dit amen et qu'on le relaye de l'autre côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et moi je sais que quand c'est pour ton bien. Ce qui est venu pour le malade, cette compassion sera ton temps de rêver. Mais nous, 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 c'est qu'il y a encore l'opportunité pour un nouveau départ. Nous avons tout quitté pour te suivre. Quel est notre bénéfice à nous? Nous ne faisons plus qu'un de nos femmes. Nous ne faisons plus qu'un de nos enfants. Nous sommes là à te suivre. Nous allons là où la nuit nous allons nous trouver. Nous mangeons. Église de Jésus. Amen. Et toi, Nzambe. Ce soir. Lélo. Dieu t'a dit de te dire. Nzambe Zali Kolobelayo. Facile pour toi de devenir une grande et grande grand-mère. Yamo et Ali Peta Pete, Yakoko, moi, si mon aile est auto, mon mari. Si tu le veux. Sokio. Je le deviendrai. Et si tu le veux. Sokio. Je le deviendrai. Pokoko, Mayambo. C'est si simple. Et Zali Namo à vos pétés. Ce ne sont pas les énergies, le temps, le moyen que nous dépassons. Et Zali Makas, il n'a vu sauter. Et en train de faire ce que Dieu attend de toi que tu fasses. Alléluia. Amen. Et vous recevez les maisons. Vous recevez les frères. Les sœurs. Les mamans. Vous recevrez les terres. Ici sur terre. Ici sur terre. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Et cette promesse, et pour celui qui, comme Pierre, comprend qu'il provient de Dieu. Comprend qu'il est à la hauteur de ce que Dieu attend de lui. Il n'est pas question d'observer à l'autre. Il n'est pas question de faire le bilan de l'autre pendant que toi-même tu ignores ton propre bilan. Chacun ne fait pas le bilan de son propre rendement, mais il a l'audace de faire le bilan d'une autre personne. Lui, il fait ceci. Lui, il fait cela. Lui, il fallait qu'il fasse ceci. Lui, il fallait qu'il fasse cela. Mais soi-même, on est à l'aise. Dans son petit coin. Entre les disciples, les cartes rouges. Rouge. Et en attendant, on est en train d'attendre l'élévation. On est en train d'attendre la bénédiction.
être sacrificateur. Personne n'a de compte à demander à personne si ce n'est le grand souverain sacrificateur qui a à nous demander des comptes. Je suis dans ma portion de responsabilité. Je suis dans ma, mon carré qui m'est donné comme travail. Je le fais parce que je sais que le bénéfice c'est pour moi, mon mari, ma femme, pour nous et nos enfants. Parce que c'est ça le danger. Lorsque les choses ne sont pas faites comme Dieu le veut, les répercussions, elles sont universelles. C'est moi seul qui ai négligé. C'est moi seul qui ai fait les choses non pas comme Dieu le veut. Mais lorsque les conséquences viendront. Si je suis marié, ce qui n'a pas été d'une manière ou d'une autre mon mari. Si j'ai des enfants, cela descendra sur mes enfants. Si je quelque chose, entreprise, projet, activité que je fais d'une manière ou d'autre, cela aura des répercussions sur toutes ces choses. La cause est unique, mais les conséquences sont universelles. Mm. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si je sais, il y a même le bonheur de ma vie conjugale dépend de ces choses. Maintenant que je sais, même les devenirs de mes enfants dépendent de ces choses. Pendant que je sais que ma destinée dépend de ces choses. Si aujourd'hui je passe outre, ce qui est un problème. Et laisse-moi te dire. Lorsqu'il dit mon serviteur prospérera, mon serviteur est très haut. Lorsqu'il dit, vous recevrez sur terre au centuple. Et la vie éternelle au ciel. Je vais t'expliquer les bonnes choses qui t'attendent ici sur terre. Tu seras à tout moment un vainqueur. Dis avec moi vainqueur. Tu es serviteur de Dieu. Les servants comme lui dans la joie. Tu seras toujours un vainqueur. Il dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Il parlait de Jérémie. Te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel. En d'autres termes, avant même que tu ne commences à prier au nom de Jésus, donc du coup ce n'était pas un problème de malédiction, ce n'était pas un problème de tata moi, si ce n'était pas un problème de société. C'est juste que c'est la promesse en tant que serviteur de Dieu. Même si on ne fournit pas de force pour combattre, mais quand on fournit de force pour servir, cela suffit pour te donner la supériorité sur Satan. Cela suffit pour te donner la victoire
combattre. Mais quand tu sers Dieu, il s'arrangera lui Dieu pour combattre à ta place. Vous savez, quelqu'un qui sert Dieu avec joie, il est comme un œuf entre les mains de Dieu. Dieu ne voudra jamais que cet œuf-là tombe. Si ce n'est que la personne vivra selon le temps de Dieu et dans les circonstances de Dieu. Parce que Dieu sait que la personne est pour lui un capital d'investissement. Il faut que cet investissement-là se produise, produise des bénéfices. Non seulement la victoire sera de ton côté, mais Dieu fera que ta vie soit remplie de faveurs et de faveurs et de faveurs. Bien-aimé, je n'ai jamais vu ici sur terre un serviteur fidèle de Dieu ou une servante fidèle de Dieu échouer dans la vie. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il sera toujours sous l'attention de Dieu. Il le manquera aujourd'hui. Il se réjouira demain. Il trébuchera aujourd'hui. Il se relèvera demain. Il se fatiguera aujourd'hui. Il aura la force d'aller. Il sera malade aujourd'hui. Demain, il guérira. Un serviteur de Dieu vit en âme pour en permanence. Il vit en permanence dans le renouvellement des faveurs de Dieu. Alléluia. Amen. N'est-ce pas lui qui a dit la gloire de cette dernière maison? Sera plus grand que la précédente. En d'autres termes, tout ce que tu feras dans le présent sera meilleur par rapport à tout ce que tu as fait dans le passé. Et cela chaque jour. Chaque jour de ta vie, du moment que tu es en position de servir Dieu, tout ce que tu feras dans ton présent aura une autre ampleur par rapport à ce que tu as fait dans le passé. Un serviteur de Dieu généralement ne panique pas, même si des fois la chose. Moi j'ai toujours cru. Quelle que soit l'ampleur des problèmes. Donc disons l'ampleur des situations. Parce que je vous ai déjà dit un problème qui n'a pas de solution humaine. Il ne faut pas l'appeler problème. Appeler cela le domaine de Dieu. Parce que vous allez appeler ça problème, mais vous n'avez pas de solution. Disons les situations. Que compliqué puisse-t-elle paraître? Moi, je dis toujours qu'il y a une solution. Alléluia. Amen. Amen. Je peux dormir paniqué. Je me réveillerai assuré. Parce que je sais. Je sais. Et je sais. C'est le tel de Dieu que je suis. Parce que moi, je suis conscient de mon bilan. Je sais que l'intervention de Dieu est imminente. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je chasse généralement pas souvent les démons. Moi, quand je vais à payer, je me préoccupe pour toi et pour ma maison. Je me préoccupe moins des démons, des sorciers, des satans. Je sais que mon maître en place. Si ça m'inspire de les chasser, c'est autre chose. Mais sinon, la prière de la journée, Satan et ses acolytes ont moins de temps dans mes prières. Ils ont moins de temps.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De toute façon, si nous lui donnons du temps, même un jeune enfant, David, au nom de Jésus, il va partir. Ce qui a le vin à Congo, moi, un grand monsieur, comme moi, passer du temps à pitoyer sur sa tête. Alléluia. Amen. Il faut être sûr. Si vous ignorez Satan, il faut être sûr de ton village. Alléluia. Amen. Pour faire comme s'il n'existait pas, il faut être sûr de ce que tu fais avec le Seigneur. Tu seras victorieux. Mais aussi, tu auras continuellement la force qui provient de la joie de Dieu. La Bible dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Tu te fatigueras par les aléas de la vie. Mais Dieu s'arrangera pour que ta force se renouvelle toujours. Comme la force du buffle. Qui ne se fatigue pas. Et c'est ça le serviteur de Dieu. Fidèle selon le cœur de Dieu. Joyeux dans ce qu'il fait. Dieu ne se prive pas de lui renouveler en permanence de la force. Pour ce qu'il a à faire, non seulement dans son œuvre, mais dans sa vie de chaque jour. Si tu es pécheur, tu auras plus de zèle pour pécher. Non, pécheur, molobi. Si tu es vendeur, tu auras du zèle à le faire. Ne te fatigueras pas. Tu seras bon. Et tu auras toujours la force de servir Dieu. Notre problème à nous, Église, c'est que quand nous faisons quelque chose, nous avons toujours tendance à baisser, à diminuer, à minimiser du côté de Dieu et à donner plus d'ampleur à ce que nous faisons. Quand on est étudiant ou on est élève, on sait que on est élève, tout le monde sait que je suis étudiant. Donc je peux ou ne pas être là, on sait que je suis en train de bouquiner. Tout le monde sait que je suis commerçant, donc tout le monde comprendra si je ne suis pas là parce que ça, je dois courir derrière les petits prix à travers Paris. Les hommes te comprendront et Dieu te comprendra. Et même si tu mens, les hommes ne verront pas. Mais Dieu t'a dit de toi. Vous savez, des grands hommes comme David. Des grands hommes comme Daniel. Élevés en dignité dans la vie. Dans la vie entre guillemets du monde. Mais ils avaient toujours le temps de donner à Dieu et de rendre à Dieu ce que Dieu attendait d'eux. Des grands messieurs qui avaient beaucoup à faire dans la vie et qui pouvaient avoir des justifications par rapport à ces activités-là. Ils avaient toujours le temps d'être en diapason avec le Seigneur. Non seulement la force sera renouvelée, mais si tu serves avec la joie et selon le cœur de Dieu, Dieu lui-même établira avec toi une communion particulière. Une communion particulière, appelez ça vous. Vous savez, Paul, Aaron et Myriam se sont liés pour parler du mal contre moi. Moïse n'était pas là. Mais Dieu a attendu. Ils étaient deux sur quelque part, sous l'arbre là-bas.
Ils ont respecté contre Moïse. Et quand ils ont respecté, ils ont même dit, mais à nous aussi, Dieu parle. C'est-à-dire comme pour dire, mais Dieu nous utilise aussi. C'est que Dieu comprend ce que nous sommes en train de dire. Mais de là où ils étaient, Dieu. La Bible dit, Dieu entendu. Et Dieu vint. Et il les appela les trois. Écoutez ce que Dieu a dit à Aaron et à Miriam. Il dit, quand je voudrais parler à un homme, si je veux m'adresser à quelqu'un, je le ferai au travers de vision. Et je me révélerai à lui. Mais quant à ce qui concerne mon serviteur Moïse, je parle, je lui parle comme un homme à un homme. C'est-à-dire, je ne parle pas avec Moïse, avec des transits, avec des métaphores, avec des images. Non, quand je veux parler à Moïse, je lui dis clairement ce que je veux lui dire. Comme pour dire, avec mon serviteur Moïse, j'ai une communion exceptionnelle. J'ai une relation particulière. Bien-aimé, que le Seigneur te prenne comme un ami. C'est la meilleure des choses qui puisse arriver à quelqu'un sur cette terre. Et c'est à cela que nous devons aspirer. C'est cela que nous devons vouloir. Communier avec Dieu. Coopérer avec Dieu. Dans ce qui nous concerne, que Dieu ne s'arrête jamais de nous dire les choses. Qui ne s'arrête jamais de faire une façon avec elle. C'est un acquis qui est réservé au serviteur joyeux de l'État. Celui-là qui fait les choses selon les cœurs de Dieu. Et non seulement vous aurez votre communion exceptionnelle avec lui, vous aurez une vie exceptionnelle. Ça, je vais pas lire ces passages. Malachie chapitre 3, verset 16. Une vie exceptionnelle promise aux serviteurs de Dieu. Malachie chapitre 3, verset 16, la Bible dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu résume. Il explique sa vraie pensée par rapport au serviteur, pour ne pas dire au vrai serviteur. Il dit, il y a un jour préparé pour ce serviteur-là. Parce que lui, il m'appartient. Je lui ai réservé un jour spécial. Et il dit, vous verrez la différence encore. Avec le juste et le méchant. Avec celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Si nous comprenons ce que le Seigneur dit, c'est que celui qui ne sert pas Dieu,
est un méchant. Celui qui sert Dieu est injuste. Alléluia. Il dit, vous verrez, il fait donc cette image. Amen. Vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Attends, ici, il sort et d'aller et il dit, il n'a pas eu à l'île pour ça, il a jamais été. Tu peux bon me dire, de toutes les façons, le soleil s'élève pour tout le monde. Tu peux bon me dire, quand la pluie tombe, elle ne se prive pas de tomber sur ma maison. Tu peux bon me dire, le souffle de vie est là. Mais je veux te dire, entre le serviteur et le méchant, il y a toujours une différence. Même s'il paraît que le méchant a une longueur d'avance, mais le Seigneur finit toujours par faire la différence. Vous voyez que ça a été que mon colo a d'abord dit Samuel Péli dans la vie pour la vie. Mais il est déjà là-bas. Un enfant. Et quand il est changé, quand il a honte. Amen. Alléluia. Amen. Mais il avait une longueur d'avance. Amen. Elle en avait déjà les enfants. Azaki, elle jouissait déjà du privilège, du confort, de la joie des mamans d'envoyer, de voir les enfants grandir. Un seul. Moko. Samuel. Ça corrige tous les retards. Alors, ne viens pas me dire le soleil se lève pour tout le monde. Je me réveille, j'ai la force, j'ai l'enfant, j'ai la terre. J'ai la voiture. Ces choses-là, ça ne veut rien dire lorsqu'on n'est pas serviteur de Dieu. Ces choses-là, les païens aussi en ont. Il y a des païens qui en ont de plus que les enfants de Dieu. Il faut-il encore être enfant de Dieu, c'est vrai. Vous verrez la différence entre ceux qui le servent et ceux qui le servent. C'est-à-dire, Dieu est en train de dire, toutes les fois dans ta vie, tous tes bons souvenirs, plaideront chaque jour en ta faveur dans sa présence. Il dit à Corneille, il a envoyé un ange pour dire à Corneille, et Pierre et tes hommes sont montés vers moi. Et je m'en suis souvenu. C'est-à-dire toutes les fois que Corneille donnait des hommes. Toutes les fois que Corneille priait, sûrement il oubliait. Il se disait, j'ai juste donné, j'ai juste prié. Mais ces choses-là, et un jour, comme Malachi l'a dit, il m'appartiendra au jour que je prépare. Pour Corneille, il y avait un jour préparé. Et quand ce jour est arrivé, le Seigneur est dans l'opération. Et Corneille a pompé ce jour-là que tout ce qu'il faisait n'était pas parti en vain. Une vie exceptionnelle remplie de bonnes choses. Une vie de différence. Une vie rendue aisée par le fait de savoir que j'ai sur moi la main de Dieu et qu'il accomplit toutes les choses avec moi. Mmh.
Vous savez, il y a certaines vies qui avancent comme les voitures à Kinshasa. Les voitures à Kinshasa qui ont un problème de carburateur. On dit voiture, j'ai hésité. Mais la voiture avance quand même. Mais on dit, elle fait quoi? Elle hésite. Amen. Il y a des villes chrétiennes qui sont comme ça. Donc, tout le monde sur terre, ça avance quand même. Mais ça avance en hésitant. Amen. La minute où on a été petite, et vous voyez, vous voyez, pour nous hésiter. On n'a pas besoin d'un effort pour venir te dépasser. On finira par dire. Alléluia. Amen. Et vous verrez la différence. Entre ceux qui ne servent. Ceux qui ne me servent. Il dit. Et vous de même. Quand vous aurez fait toutes ces choses, dites. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Si cette phrase devient simple et souple dans ta bouche, c'est que tu as acquis la maturité dans le ministère auquel tu t'as. Si tu ne paniques pas devant les exigences que le Seigneur te demande, si tu ne te poses pas des questions pour t'élever et faire les choses auxquelles Dieu t'a donné des talents pour ça, si tu n'hésites pas à mettre tes capacités au service de l'œuvre de Dieu, alors ce soir, estime-toi heureux. Parce que tu as acquis la maturité. Sinon, si tel n'est pas le cas, ce n'est pas trop tard. Car il est dit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu entends sa voix. Ne bloque pas ton cœur. Amen. Amen. Oh,